relativement vallonné. Tout le monde devrait avoir son mot à dire. Rouler sous une telle canicule n'est pas facile. Plusieurs coureurs ne doivent avoir qu'une seule envie, franchir la ligne d'arrivée. Hey, salut les amis, c'est Tutur, on se retrouve les gars pour une toute nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour les championnats nationaux et vous voyez que nous sommes tout de suite sur le championnat donc des États-Unis. On est parti avec William. Bon, je pense pas qu'on va rester toute la journée sur ce, parce que voilà, il y a 4, 5 ou 6 championnats nationaux, donc voilà. Celui-là, on va le passer vite fait, je pense, parce qu'à mon avis, on ne fera rien avec notre ami Williams. Donc voilà, bah, là, c'est plutôt qu'il ne tente rien, n'a rien aujourd'hui. Donc voilà, on va tenter et on verra bien si ça évolue et qu'on arrive, pourquoi pas, à aller au bout. Ok, les gars, donc de retour et l'échappé qui résiste au retour de l'Education First. Drapa qui roule pour leur leader. Je ne sais pas qui est le leader entre Joe Dombrowski et Lawson Craddock. Après, voilà, il y a la... Je sais même plus c'est quoi le nom de cette équipe là qui roule. Équipe américaine, donc voilà. Nous, on est devant avec toujours avec Williams. On roule pas super fort non plus. Il y a Joyce qui fait un gros effort. Oyen et Young. Voilà, nous on a roulé tranquille. Après, Murphy, Gorison sont plus tranquilles. Et ça résiste, hein, ça résiste au peloton. Parce que forcément, vu que... c'est la Rally for Cycling, je crois. La Rally for Cycling qui est devant, bah, ils sont deux. Ils sont deux, donc forcément ça va pas rouler. Attendez, c'est bien ça. Hein. Je sais pas c'est quoi le nom de l'équipe. Bon, écoutez, de toute façon, c'est pas très grave. Attends, peut-être c'est marqué là d'ailleurs, je suis bête. La Rally Cycling, ouais, voilà, c'est ça. Hop, et donc, ouais, toujours une 10 et ça peut aller au bout. Hein. Je pense qu'il y a moyen que ça aille au bout. Là, si ça accélère pas plus, vous voyez que c'est Owen qui roule, mais bon. J'ai l'impression qu'ils ont plus beaucoup de force là, nos amis de l'Education First. Mais attention également à l'attaque de TJ Van Garderen et à la Trek. Hein. La Trek qui sont toujours nombreux. Donc faudra faire attention. Pourquoi pas pour eux d'aller venir nous chercher. Hein. Et là voilà. Et bien voilà, attaque de Brown suivi par Owen. Ils attaquent les deux Education First, ça ils roulent vraiment fort. Hein. Mais il reste plus qu'un tour. On arrive sur le dernier tour là. Hein. On arrive au dernier tour. À 45 secondes, ça va rentrer, je pense. Ça devrait rentrer. Attention, ils vont partir à deux, là. Ils vont partir à deux, ça continue comme ça. Et voilà l'attaque. Peut-être de Grégory Daniel devant, non. Dombrowski, Craddock qui sont remontés. Tout comme tous les leaders. Hein. Tous les leaders sont bien remontés. Et non, c'est fait lâcher. Hein. Devant, ils sont partis à deux. J'avais pas vu Joyce et Grow. Et Garrison. Allez, non, on tente de rentrer sur eux. Ah, ça va être chaud, ça va être très chaud. Oula, je me suis trompé de touche. Allez, ah, ils sont costauds, ils ont l'air très costauds les deux devant. Ouais, nous on va se relever. Il reste maintenant. Ah, peut-être qu'on va le regretter ça. Hein. On va peut-être le regretter finalement de les avoir laissés partir comme ça et de pas avoir vu. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, on est avec Williams, on est loin d'être le leader. Donc voilà, si on fait déjà une place d'honneur, c'est plutôt pas mal. Je pense que ouais, le top 20 sera accessible, mais plus ça m'étonnerait. Ouais, mais attention, parce que là, ils font un gros boulot, Yann et Murphy, là. Ils roulent très fort, les deux. Et ça peut nous être favorable. Ah non, ça s'arrête. Ah non, derrière, ça ne roulait plus non plus. Allez, voilà, yes, ils vont rouler avec nous. Ça, c'est cool. Yann et Murphy, et est-ce qu'on va résister au peloton, là? Est-ce qu'on va réussir à résister au retour du peloton et aller chercher pourquoi pas un top 10? Je sais pas, 30 secondes, il y a quand même 30 secondes. Et allez Williams, on est rentré sur les deux devant. Et l'échappée va aller au bout je pense. Mais qui de nous 6 va gagner? Ah, ça va être compliqué pour nous, ils sont deux de la Rally Cycling. Et nous on a presque plus de barres. On a presque plus de barres, malheureusement. Alors, on va se faire fumer. Est-ce qu'on fera le top 10? Je ne sais même pas si on arrivera à le claquer. La flamme rouge. C'est parti pour le sprint final. Ah, ils sont revenus. Eh, hey, Vanguard Run ou Yang? Yang et Yang qui résiste. Oh là là, l'échappée matinale qui résiste au retour de TJ Vanguard Run, de Craddock, de Daniel, de Reijen. De Joyce. Ouais, on fera même pas top 20. Ah si, on va faire top 20 tout de même. Mais bon, pas plus que ça. On arrive juste devant Ian Boswell. La course est jouée, mais les on fait 14ème. Bon, voilà. C'est plutôt pas mal. Hein. Écoutez, nous on va se retrouver tout de suite, je pense, pour le départ de la prochaine course du coup. Ok les gars, on est au départ
de ce championnat de République tchèque à 15 coureurs. Et bien donc, nous allons attaquer tout de suite et tenter, parce que là, ouais, il y a vraiment qu'une équipe. Il y aura une seule équipe dans ce tour. Hein. Et Turek, il va même pas réussir à sortir. Ah, c'est bon, allez, allez Turek avec bouche à cake. Et voilà. On est parti à deux, c'est bon. Bon, bah, on va voir hein, si ça part, c'est cool. Est-ce que va coach Estibar en s'entendre? Bonne question, mais derrière, les autres, l'équipe à Joseph Cerny, ça va être compliqué. Et après, il y a Nirt, Koning et Cicré qui sont seuls, tout comme Roman Kreuziger. Et bien donc, on va avancer, on se retrouve plus tard dans la course. Ok les gars, nous sommes de retour et nous sommes devant avec Daniel Turek avec 2 minutes d'avance sur notre ancien compagnon d'échappée et 1h26 sur le peloton. Bon voilà, ça c'était prévisible, ils sont tout le temps buggés ces championnats de toute façon. Bon, écoutez, on a 2 minutes 30 d'avance alors qu'on passe sur la ligne avant un dernier passage. Donc voilà, bon, normalement, il n'y aurait pas de problème avec Daniel Turek. On devrait aller chercher ce titre. Écoutez, notre premier titre, du coup, de champion, donc, des Républiques Tchèques. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, écoutez, un petit titre, voilà. On aura un petit maillot distinctif dans la course. Donc voilà, c'est cool avec Turek. On est plutôt tranquille. Voilà, ouais, forcément, là, normalement, 3 minutes 30 derrière, il s'est complètement arrêté, on l'a attaqué. On l'a attaqué au milieu de l'écran. Voilà, vous voyez la petite bosse orange au milieu de l'écran. On l'a attaqué ici. Et voilà, on est parti tranquillement. Tout seul. On s'est mis en effort curseur 85. Et il a stoppé son effort. Je ne sais pas pourquoi il a stoppé son effort. Mais écoutez, il faudra lui demander. On va faire une petite interview d'après-course. Pourquoi vous avez stoppé votre effort? Il était trop fort pour moi. Bon, bref, ouais. Il fera deuxième. Et bon, derrière, ça sera plus de 1h30. Ça sera, je pense, tout sort délai. Voilà, 15 coureurs, une course à 15, c'est pas super. Avec une seule équipe, je sais pas c'est quoi cette équipe. C'est la Elkoff, ok. La Elkoff, d'accord, voilà, bon. Ils ont remplacé un garde échappé, mais malheureusement, c'était pas le meilleur. Et je vois, ils avaient quand même des Yann Barta, des Joseph Cerny. Enfin bref, ils auraient pu mettre mieux. Ils auraient pu faire mieux, largement, cette équipe. On va accélérer un petit peu, parce que voilà, sinon c'est pas très très intéressant, on va pas se mentir. Hein. On a 4-30 d'avance. Et maintenant on va mettre fin, voilà, 4-30 d'avance, Stibar, il y a des fans de Stibar ici, mais bon, malheureusement les gars, ça sera pas pour aujourd'hui, pour vous, et ça attaque derrière, attaque de Leopold Koning, avec Kant Kosvi, Vakoch, Polinski, Stibar, et ouais, bon, ils peuvent toujours attaquer, hein, forcément, et derrière, il roule à bloc, hein, il roule à bloc, non? Ah non, il s'est arrêté, Polinski, Cicré, ah, il y a des fans, et Turek, il me semble qu'on l'avait recruté hein, avec Cicré. Il me semble qu'on l'avait dans notre équipe à la deuxième saison, je crois, Turek. Parce qu'il était champion, en titre et du coup, on l'avait recruté. on s'était fait battre par lui. Il nous avait battu. On avait joué battu ce jour-là. Et voilà, la victoire de Daniel Turek de l'Israel Cycling Academy. Et bien voilà, elle est belle celle-là. On a été la chercher. Victoire. Et donc, du coup, moi, je vous dis à tout de suite, on va se retrouver pour la suite des championnats nationaux. Et je ne sais pas c'est lequel, peut-être l'Italie ou peut-être un autre. Allez, je vous dis à tout de suite. Ok, on est donc parti. Et là, les gars, c'est les championnats de Belgique. Et on a un plus 5 avec Ben Hermans. Nous sommes obligés d'essayer. Je ne sais pas quoi faire. On est 100. Donc je pense que. Faut pas partir en échappée. Là, faut pas partir en échappée. Mais on a un plus 5 avec Ben Hermans. On est obligé. On sera obligé de tenter quelque chose. Mais je me dis, il y a tellement. Du lourd. Philippe Gilbert. Tige Benoît. Greg Van Avermaet, Oliver Nassen, Sepp Van Mark, Wood Van Aert, Steuven, oh là là, il y a du beau monde, il y a vraiment du beau monde, Serge Powell également, et j'en oublie, hein, parce que là, la Quick Step, ils peuvent tous gagner, hein, ils peuvent tous gagner à la Quick Step, tout comme la Lotto Soudal, ils sont également très costauds, Toyne, c'est également de la BMC, donc écoutez, nous on va accélérer, et ça va être tendu, ça va être très très chaud, et on va essayer de faire le maximum hein, pour tenter d'aller chercher une victoire avec Ben Hermans, ça va être quand même très compliqué. Ok les gars, on est donc de retour avec un plus 1. Et ouais, le karma m'est tombé dessus forcément. C'était trop beau pour nous, un plus 5. On a chuté, enfin j'ai fait l'autre course, on a chuté. Et il a abandonné, voilà. Du coup, j'ai fait quoi? Je me suis dit, vas-y, je vais pas faire ça, j'ai envie quand même de faire un bon résultat. Et du coup, j'ai recommencé la course, mais malheureusement... Hop, non, mais non, il se passe quoi là? Faut y aller les gars. Oh, c'est une blague.
Gilbert et Wellens qui sont partis, mais là jamais on rentre. Jamais, jamais ça rentre là les gars. Allez Ben Armans. Vas-y mon garçon, vas-y, 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 ça va rentrer, ça va rentrer. Ou Gilbert qui va, Gilbert qui va, attention. On attaque avec Ben Armans, ouais, on aurait le plus 5 de tout à l'heure, on aurait suivi, mais sans problème, je pense. Parce qu'on avait des notes de malade, on avait des plus 9 et tout, et là, forcément, quand tu passes d'un coup à des plus 1, voilà, mais ça change tout, hein. Forcément, en plus, on a... Oh non, mais... Les plans de l'équipe vont être chamboulés. Oh là 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 là. Le karma, le karma, le karma. Accélération de Tim Wellens. Bon, ça suffit, je vais pas recommencer. Hein. Je vais pas recommencer toute ma vie à faire cette putain de course de fils de pute. Parce que là, ça commence à me casser les couilles. Hein. Là, ça commence à me casser les couilles, bande d'enculés. Ah, mais tiens, regardez qui c'est qui est en train de revenir. Ben Armans. Waouh. Après avoir pris 2 minutes par le groupe Gilbert Wellens. C'est super ça les gars, mais yes, on adore ce jeu. Putain, ah, vas-y, casse les couilles. Putain, on était leader, mais on était tellement bien. On pouvait la win la course, on pouvait tellement la win la course, incroyable. On devait niquer vos gros morts là, tous là. Cette course de merde. En plus, ils sont défaillants ces deux. Ou ouais, apparemment, si Benoît y rentre et qu'il gagne. Je pète un câble. Non, c'est bon, Benoît doit pas rentrer. Ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Ouais, qui c'est qui va gagner? Les deux ils sont cuits, les deux ils sont morts. Ouais, Benoît aussi il est cuit. Et nous on est là avec Nassen et de plus. On était un des plus forts, hein, regardez. On était un des plus forts, c'est sûr. Ça me fout le démon, vraiment. Qui va gagner devant? Oh, Benoît qui est rentré! Oh là là, Benoît! Attention, Benoît! Et non! Ah, c'est Wellens. Et bien, Wellens qui fume Gilbert en plus. En plus, c'est Wellens qui gagne quoi. Ça aurait été Gilbert encore, ça va. J'aurais dit, ouais, ça va, c'est Gilbert. C'est Gilbert qui gagne, c'est bon. Non, c'est Tim Wellens, TP. Bon, on aurait pu avoir le deuxième titre. On aurait vraiment pu avoir le deuxième titre là. Sur cette étape, on va venir faire 6ème. Et ben voilà. Et bien, du coup, moi je vous dis à tout de suite. Ouais, j'ai le karma, les gars. Le karma, je vous dis tout à l'heure, on a gagné avec 1 heure d'avance. Là, ça y est, là on commence à. Le karma m'est revenu dessus. Bon, bref. En tout cas, je vous dis à tout de suite pour la suite donc et pour le prochain championnat national. Ok, de retour pour ce championnat d'Italie avec Christian Sbaragli. On est donc bien. On a un plus 2, donc c'est plutôt cool. Et je pense, bah, du coup, on va pas attaquer, on va pas partir en échappée, on va attendre. Tranquillement donc les trois cols là, les 4 pardon, et en espérant que ça bascule et sans attaque des leaders, sans attaque de Nibali, sans attaque des Haro, etc. Et que ça arrive au sprint, ça nous arrangerait énormément, même si forcément il doit y avoir des Viviani, etc. Je pense, Team Sky, non, pas Viviani, n'est plus toi, Team Sky, il a la Quickstep Floors, ouais, il est là, Viviani, il est là effectivement, mais bon. Il a moins de valeur que nous. Bon, bref, on verra bien. Et on se retrouve, du coup, nous, tout de suite, un peu plus loin dans la course. Ok, les gars, de retour pour ce championnat d'Italie. Bon, voilà. Vous voyez où c'est qu'on est, Christian Sbaragli. On est très loin. On va donc suivre cette arrivée tranquillement. Viviani est toujours là. Je sais pas comment il a fait pour tenir, franchement. Chaque boss, les trois, on a pété et on a fait l'élastique. Et là, la dernière, ça a pas marché. Hein. À 15 km forcément, de vous pouvez deviner. Même Féliné a craqué. Je sais pas comment Viviani peut encore tenir. Enfin bref, Colbrelli également, alors que Colbrelli normalement tient moins bien que Viviani. En tout cas là ouais, c'est tout bénef pour Viviani qui va sûrement aller s'imposer. Et je suis en train de chercher, il n'y a pas Vincenzo Nibali. Hein. Vincenzo Nibali n'est pas sur la course. On va regarder. Non, Nibali n'était pas décroché sur la course. Un leader vient de se faire décrocher. C'est plutôt étonnant. C'est Haro qui roule. Peut-être pour emmener Diego Ulissi, mais bizarre que personne n'ait tenté. Et là ils sont en train de faire le jeu et non, Viviani lâché. Oh là là, il va avoir un somme incroyable, et Viviani, il lâche dans les derniers 100 mètres de cette bosse. Oh là là, avec Davide Cimolai. Et là, ouais, là, Gianni Moscon qui est peut-être le plus rapide. Ou là, non. Non. Ouais, Diego Ulissi, Alberto Bettiol, je pense, sont les plus rapides de ce groupe. Mais attention, encore Gianni Moscon, s'il est en forme. Parcourir. On le connaît bien, Gianni Moscon, maintenant. Alors,
va accélérer. Attention derrière, retour de la Viviani. Ah, il est juste là, Viviani, il fait la descente à bloc. Il fait la descente à bloc et il y a Viviani là. Et c'est normal, hein, c'est totalement normal qu'il fasse la descente à bloc là. Et attaque de Villela, suivi directement par Gianni Moscon, Bettiol, Bambia, Ulysse 600, petit peu plus loin, et Fabio Roux qui craque. Ah, c'est fini, Viviani, le groupe Viviani là, il joue battu. Attention que ça se rentre pas non plus dans les 5. Jean-Luc Bambia qui fait le taf là. Attention, Davide Rebellin qui est encore là, mais c'est incroyable. C'est incroyable, Davide Rebellin. Et attention, Fabio Roux peut-être, va-t-il contrer? Non. Et là, on arrive sur la flamme rouge. Attention. Derrière, est-ce que ça peut rentrer derrière le groupe là? Est-ce que Viviani peut rentrer de derrière? Non, je pense pas. C'est parti. Ça va jouer entre Ulissi et Bettiol. Villela peut-être sera là. Et ça sera Diego Ulissi qui sera donc sacré champion d'Italie. Non, alors là, Jackie, et voilà Viviani. Je ne vois pas qui pouvait Viviani imaginer vient, la victoire là, de Diego Ulissi. Diego Ulissi qui vient chercher une belle victoire devant Alberto Bettiol. On va accélérer, on va mettre en x8 et on va venir chercher une place nulle. Nulle, 33e. Très loin de nos attentes. Hein, très très loin de nos attentes. On a complètement foiré. Enfin, on n'a pas foiré d'ailleurs. Hein. C'est bizarre d'ailleurs que ça ait roulé aussi fort et qu'on n'ait pas tenu. Enfin bref. Écoutez, c'est pas notre problème. On a pour l'instant un titre pour l'instant. Pour l'instant, on est plutôt bien. Hein. On est plutôt tranquille pour l'instant, donc c'est plutôt cool. Allez, on attend tranquillement. Hop hop hop. Que tout le monde arrive et voilà. Bon, attention, moi j'ai rien à vous dire. Et je crois qu'il nous reste un championnat et c'est celui de Colombie. Donc du coup, je vous dis à tout de suite, normalement, pour l'arrivée de ou le départ de ce championnat. De ce dernier normalement championnat. Je vous dis à tout de suite. Ok, mais finalement on est dans le championnat d'Espagne, les gars, j'avais complètement zappé celui-là. On est donc. Oula, le micro était un peu trop proche de ma bouche, je pense. On est donc avec Díaz Calero et Ruben Plaza, et on va faire partir tout de suite. Écoutez, Díaz Calero, on n'a rien à tenter de toute façon. Ruben Plaza, il se fera exploser, je pense. Donc bon. Écoutez, autant tenter avec Díaz Calero. Et tenter, alors que là, ouais. Je sais pas si Díaz Calero est peut-être dangereux. Est-ce que Díaz Calero est dangereux pour que ça roule aussi fort? Non, d'accord, c'est en train d'attaquer en fait. C'est juste le mec qui était pas assez rapide. Bon, et bien donc on va partir et je vous dis à tout de suite. Alors désolé si le micro est trop proche, c'est juste que je tourne avec un casque micro tout le temps et je peux vous dire que mettre un casque sur ses oreilles avec cette chaleur incroyable, je suis en train de crever, c'est impossible. Du coup le micro il est un peu mis en façon gitan, donc bon, voilà. Bon bref, je vous dis à tout de suite pour donc l'arrivée de l'étape. Ok les gars, de retour dans ce championnat d'Espagne. Bon, bien sûr c'était trop facile de tenir dans le peloton. On a chuté forcément, hein. On pouvait pas ne pas avoir de problème dans cette course. Donc voilà, on a eu faire une petite chute avec notre ami Díaz, avec notre ami Ruben Plaza. Vous voyez qu'il y a des lâchés, hein, des Dani Navarro lâchés, par exemple, alors qu'apparemment il y a une attaque de Valverde. C'est Errada, Rojas et Lobato qui partent. Mais là du coup il n'y a plus personne pour rouler. Il n'y a plus personne pour rouler totalement. Hein. Ouais d'accord. La Movistar qui roule sur Rojas apparemment. Ouais, Ressus Errada, c'est un danger. On ne compte plus les forcément. Donc ouais, va falloir faire très très attention là. Avec Ruben Plaza, on est très bien, mais le problème c'est quoi? C'est pas une arrivée qui nous avantage. Et là en plus, si devant ils sont partis à 3 qui collaborent, même si Rojas ne collabore pas, ça va être très compliqué pour nous de rentrer. Hein. Ça va être extrêmement compliqué. Ouais, Díaz Calero qui se fait lâcher en prenant des bidons. GG mec, GG. Bon, le top 20 est assuré, mais bon, nous le top 20 on s'en fiche un petit peu. Alors que De La Cruz par exemple est en défaillance, Lozano est ici. Ouais, il va même pas réussir à mener les bidons. GG. Allez, Ruben Plaza est très bien en tout cas. Ruben Plaza est très 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 bien. Attention, Alejandro Valverde est également bien placé. Hein. Surtout faire attention, Luis Sanchez également. Igor Anton qui est toujours présent, hein. Omar Fraile. Lui qui sera avec une étape en ce moment, une étape sur le Tour de France. Et voilà, c'est rentré sur Ressus Errada et Lobato. Et Errada, il a peut-être laissé un petit peu trop de force au mauvais moment. Hein. Errada, peut-être qu'il a laissé un peu trop de force au mauvais moment également. On va mettre pour l'instant de suivre Valverde tranquillement pour l'instant. Vous avez vu Soler qui bloque un petit peu le train. Le Movistar. Ouais, Díaz Calero, tu vas te mettre en automatique, mon pote. Allez, derrière, ça roule fort avec Mikel Nieve. Hein. Mikel Nieve qui s'est fait piéger également. Tout comme des Lopez, des Castroviro. Ça fait des adversaires en moins. Des Mikel Landa également.
Nickel, Landa est là. Bon allez, moi j'ai pas le temps. Moi j'y vais, attaque de Ruben Plaza. Attaque de Ruben Plaza, suivi directement par Roras et Rada. Lobato de nouveau, hein, les trois de tout à l'heure. Luis Sanchez, Valverde, Fraile et Ventoso. Et on part à 8, on part à 8 là. Et moi je vais pas rouler, hein. Moi forcément c'est pas moi qui vais rouler les gars. Et ouais, ah ouais, qui va être le leader du coup chez la... Chez nos amis, la Movistar et également la Astana. Donc on va suivre Valverde tranquillement. Apparemment, ça serait Horace. Apparemment, ça roule pour Horace. Et derrière, ça rentre avec Moreno. Oh, on a pris la bonne roue. On a pris la bonne roue là. À l'endroit, Valverde qui attaque. Oh non, oh non, mais comment ça se fait? Oh, mais ça c'est chiant, man. Oh, le bug de l'effort curseur là qui du coup se baisse. Ah bah Valverde là il va le gagner, il va gagner facile Valverde là non? Bah ouais, y'a pas de problème pour Valverde là. Là Valverde il emmène, il a... Ah ouais quoique. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour Valverde d'aller jusqu'au bout maintenant? Allez nous on roule avec Ruben Plaza Molina. Allez Ruben, y'a que 12 secondes. Allez sans cuisse avec toi. Tu peux lancer garçon, allez on va lancer avec Ruben Plaza. Oula, d'accord. D'accord. Ouais, finalement c'est Juan José Lobato qui va finir champion d'Espagne devant Jesús Herrada. Il était venu là Roras pour et Ventoso et Roras, c'est du nom. On va faire 5ème. Bon, c'était pas vraiment pas du tout ce qu'on espérait là, vraiment. Je me suis dit ouais c'est bon, on va pouvoir le faire. Que dalle. On a vraiment rien fait du tout. Bon, et bien il en reste un, celui de Colombie, et ça sera le plus dur. Hein. Ça sera vraiment le plus dur, si on a un coureur faible au niveau de la Colombie, donc bon. J'espère non plus pas trop de choses. Parce que je sais que ça sera beaucoup trop compliqué pour nous d'aller faire un bon résultat dans cette course. Hein. Oula, désolé pour le son. Voici maintenant les meilleurs moments de la course. Voilà. Ah, et Lobato, Juan José Lobato quand même. Et finalement, Lobato, Herrada et Roras, ils n'ont pas laissé assez de force hein, quand ils sont partis en échappée. C'était bien les plus forts donc de cette étape. Hein. C'était vraiment les plus forts de l'étape. Il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Allez. On attend tranquillement. Là, d'arriver. Voilà. Cinquième. Et donc, du coup, il me reste normalement celui de combien. On reste dans les menus ensemble. Et voilà. El Campeonato de Colombia avec Edwin Avila. Voilà, on va prendre totalement tarif. Hein. J'hésite même à le faire, mais bon. On va se lancer, mais on se retrouve directement pour l'arrivée. Hein. Le départ, on va complètement zapper. Je vous dis, du coup, à tout de suite. Ok, les gars, alors, info incroyable. On est à 20 km de l'arrivée et l'échappée va aller au bout. Vous voyez un petit peu, il y a Molano, le soi-disant l'ex-futur grand sprinter. Hein. Molano, Pena, Molana, Molano également, Flores, Gaviria, Gaviria, j'avais pas vu, Sierra et Alzate. Bon, avec Avila, ça va être très tendu, je sens que un mec comme Gaviria est vraiment au-dessus de nous. Mais bon, voilà, ça va être beaucoup très compliqué d'aller chercher. Vous voyez qu'il y a eu une petite chute là de Urán et de Chavez. Oula, le reflet est horrible. C'était la première fois que j'avais ce bug. Enfin, ce reflet du moins. On va mettre une petite attaque pour voir qui suit, qui n'a pas envie de suivre. Ah, si on pouvait partir à 3, ça serait cool. Allez. Si les deux roulent avec moi, c'est parfait. Allez, dis-moi qui roule. Parce que si les 4 derrière ça s'enterre, ça nous avantage. Hein. Ceux-là, forcément, Gaviria et Molano, ils vont se regarder. Parce que c'est les deux meilleurs sprinteurs du groupe. Même si l'arrivée n'est pas sur un sprint massif quand même. Ça va quand même se juger entre eux deux. Accélération de Chavez. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Voilà, on va laisser les autres faire le taf sur Sierra. On va laisser Gaviria faire le taf, voilà. Ah, deux abandons. Oula, deux abandons de la. Il reste maintenant de l'équipe du coup de Sierra, voilà. Oula, mais Gaviria, il a combien de notre descente? Il a 78, il nous lâche tous. Gaviria, il nous fait tous sauter dans la descente. Et on a bien récupéré avec Avila. On va aller chercher des petits bidons tranquillement pour l'instant. Ouais, on n'a pas choisi le meilleur moment. C'est vrai qu'on n'a pas choisi non plus le meilleur moment pour aller chercher des bidons. Mais bon, c'est pas grave. Bon, là, ça fait quand même pas mal tant qu'il attaque là. Le mec ne s'arrête plus d'attaquer quoi. Le mec, ça y est, il est décidé, il déterre pour attaquer toute sa vie. Allez,
Allez, je vais mettre une attaque dès le pied. J'attaque dès le pied avec Avila. Ça peut nous avantager si on revient sur Syrah. Si on revient sur Syrah, c'est un gros avantage pour nous si on revient sur Syrah. Par beaucoup de coureurs, les pourcentages sont particulièrement rudes. Ah, Gaviria qui a l'air costaud également. Ah, je sais pas si on va pouvoir le reprendre, Syrah. Il est super fort. Il est incroyablement fort, c'est incroyable. Il nous met tout ce tarif. Ouh là, je suis avec Gaviria, moi. Ouais, Fernando roule. Si tu roules avec moi, je suis d'accord. On est parti à deux. Ça m'étonnerait que ça revienne de l'arrière maintenant. Ouah, mais ils sont déjà là. Les leaders sont déjà là. Mais what the fuck. Ouah, mais Gaviria, c'est une blague, Gaviria ou quoi? Mec, tu veux le gagner ou pas ce championnat là? Bon, et je sens encore la place d'honneur. Mais attention, parce que là, ça revient super fort là. Je sais pas, on va mesurer l'écart entre nous et Quintana. Mais là, il y a combien? Il y a 2 minutes. Ils avaient 5 minutes tout à l'heure. Là, il y a plus que 2 minutes. Oh là là, ça roule super fort. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Allez, Lopez et Nao qui sont là. Mais bon, ouais, ça va aller au bout. C'est nous qui allons au bout là, je pense. Mais c'est Syrah. Enfin, c'est Syrah qui va aller au bout d'ailleurs. C'est pas nous, c'est Syrah qui va aller au bout, c'est tout. Allez, roule avec moi. Il roule avec moi, Fernando. Oh oui. Oh oui, bébé. Vas-y. Roulons ensemble. On revient à moins de 25 secondes. On revient à moins de 25 secondes là. Allez, la dernière ligne droite. La dernière ligne droite pour nous. Et qu'est-ce qu'il fait, Seria? Mec, Syrah. Qu'est-ce qu'il fait? Il se relève? Non? Non, ouais. En vrai, Gaviria, il va nous fumer. Gaviria, il va nous fumer. Oh là là, on l'emmène. On est en train d'emmener Fernando Gaviria là. Là, on est en train d'emmener parfaitement Fernando Gaviria hein, vers la victoire. C'est parti pour le sprint final. Qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui? Oh là là! Non, il a craqué! Il a craqué! Avila, vas-y, vas-y mon petit! Vas-y mon petit! Oui, il va le faire! Et oui, la victoire de Erwin Avila, il est champion de Colombie face à Syrah. Fernando Gaviria, derrière, on va retrouver le groupe des leaders. Il l'a fait, Edwin Avila est champion de Colombie. Qui va venir faire quatrième? Ce sera Ivan Sosa ou Jarlinson Pandano? Ce sera. Ivan Sosa, Nairo Quintana également qui revient fort. Ce sera bien Ivan Sosa, mais de toute façon, c'est les places d'honneur incroyables. Le deuxième titre de champion pour nous, et c'est Edwin Avila qui vient le claquer, champion de Colombie, Campeonato de Colombia. Magnifique, magnifique. Et wow, Bernal, Chavez, Uran qui arrive là, Nakona, Aguirre. Oh là là, mais c'est incroyable. C'est incroyable, quelle prestation de Edwin Avila. Alors qu'on pensait que Fernando Gaviria allait nous fumer. Incroyablement, en fait, s'il passait pas de relais, c'est qu'il pouvait pas. Il pouvait tout simplement pas. Et Syrah qui se fait rattraper dans le dernier kilomètre. Gaviria qui lance et Avila qui revient et qui fume Fernando Gaviria. Oh là là. Et je suis super content. On est champion de Colombie après être champion de République tchèque. On est champion de Colombie. Yes. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir, les gars. Allez. On va attendre tranquillement. Voilà. Les 500 derniers mètres. Voilà. Le dernier coureur qui est arrivé. C'est bon. On va regarder le petit replay là. On va regarder le petit replay de fin de course. Et voici les meilleurs moments. Et le premier coureur attaqué, premier à passer sur la ligne finale et à remporter cette magnifique victoire. Fernando Gaviria, Edwin Avila. Je sais pas si vous connaissez, jeune coureur, très jeune coureur, on le voit. Il a fumé Syrah et Gaviria. Et bien donc, nous allons regarder les résultats. Et nous ressortons donc avec 2 titres de champion sur les 6 ou 7 qu'on a fait, je ne sais plus. Mais voilà, très très content. Très très content, oh là là, c'est beau. Edwin Avila qui sera donc le champion national. Voilà, on change de jour. Normalement, ça va nous envoyer tous les résultats de tous les championnats nationaux. Voilà. Non, mais non, oh là là, putain, c'est chiant. Voilà, hop, c'est bon. Et donc, on va regarder un petit peu tout ça. Résultat Espagne, c'est Lobato, Gonzalves au Portugal, la Belgique, on l'a vu, c'est Wallen, c'est Christophe Laporte devant Desmarques qui finit champion de France. Boigny vient faire 3, Laf 4, Sarro 5, hein. Marc Sarro, jeune prodige, 5ème, non, enfin jeune prodige, avant c'était quand même un jeune prodige, maintenant voilà. Danemark, Jakob Fuglsang. L'Allemagne, c'est Marcel Kittel. La Grande-Bretagne, Marc Cavendish.
Les Pays-Bas, c'est Bokemolema. La Pologne, Michal Katowski. Au niveau des Russes, c'est Porcev. La Suisse, c'est Frankini. Aussi, du coup, je voulais vous faire voir un petit peu les résultats du Giro, parce que le Giro a eu lieu. Résultat, classement. Non, dernier résultat, pardon, effectivement. Le Giro d'Italia a eu lieu, donc on va redescendre un petit peu en espérant le trouver. Et on va pas le trouver parce qu'il n'est plus là, apparemment. Non, il y a Giro U23. Ah, mais il n'y a pas le Giro d'Italia. Bon, d'accord, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi il laisse pas au moins les trois grands tours. Bref. Ouais, non, il n'y est pas. Il n'y est pas. Il y a le Dauphiné, c'est tout. Qui gagne le Dauphiné du coup? C'est Thibaut Pinot qui gagne le Dauphiné après avoir fait deuxième du Giro. C'est Quintana qui gagne le Giro devant Pinot. Et yes, en tout cas, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouve mieux du coup dans la prochaine vidéo. Et également, ce que je ne vous avais pas dit, ceux qui savent sur Discord, ceux qui me suivent sur Discord, ils le savent. Nous sommes pris pour la Vuelta. Nous courirons donc la Vuelta en même temps que le Tour de l'Avenir, d'accord? La Vuelta, on pourra. Allez, ça sera notre premier grand tour. Donc voilà, nous en tout cas, on se retrouve, je pense. Je ne sais pas pour quel tour on se retrouvera d'ailleurs. Je ne sais pas où est-ce qu'on se retrouvera la prochaine vidéo. Peut-être pour un nouveau tour ou quoi. Le tour, je sais pas. Le tour de République tchèque, peut-être. Ouais, il a l'air intéressant. Pourquoi pas? On verra bien ou peut-être le tour du Limousin. En tout cas, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien. C'est tout le monde. Bye bye.